peut Alléluia. Il perd ton change. Ami, mais moi c'est mon oh, père. La, oh oui, je la veux. Alléluia. La veux. Alléluia. Je il perd quelqu'un que tu connais, à qui tu as l'habitude de jouer, je mais moi je dis c'est mon père. Alléluia. Oh, Alléluia. J'ai dit à Dieu, Seigneur, lorsque mon père va vouloir monter, donne-moi un seul signe. Et quand l'homme de Dieu a fini, avant que mon père n'arrive, Dieu m'a dit, regarde, voici, voici. C'est pour attester que cet homme, c'est quelqu'un qui a été établi sur ma personne. Alléluia. 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 Si je suis capable de rentrer dans le règne de l'esprit, c'est par le canal et la grâce de cet homme. Alléluia. Alléluia. J'aimerais déjà que tu commences à te préparer. Parce que pendant que tu seras incarné le Dieu de mon Père, Alléluia. Il y a le Dieu de mon Père et il y a mon Père. Alléluia. Mais moi je ne t'acclame pas d'abord le Dieu de mon Père. Je veux d'abord qu'on célèbre Dieu pour la vie de mon Père. Alléluia. Alléluia. Plusieurs. Elle me touche. Mais moi je dis c'est mon père. Je tape ma poitrine partout, c'est mon père. Même si elle s'est arrêtée à lui, je suis clair que lui c'est mon père. Même si certaines personnes pensent que c'est de l'amusement dans l'âme de Dieu, moi je dis c'est mon père. Alléluia. J'aimerais que tu te tiens debout pour recevoir le serviteur de Dieu, l'homme qui a impacté ma vie et qui continue d'impacter ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir le prophète Gédéon Séké, mon père, mon père, mon père. Mon Seigneur, devant la Shekinah. Mon Seigneur, je vois la Shekinah. Mon Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, amen. Je vois la Shekinah. Alléluia. La Shekinah, 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 Shekinah. Avant son nom. Je la vois. Yes. Alléluia. On est déjà monté. On va continuer à monter. Alléluia. Alléluia. Les deux premiers orateurs ont déjà prêché. Alléluia. On va monter. Amen. Je fais un peu de pause pour ceux qui veulent prendre photo parce que moi, j'aime beaucoup bouger. Donc, peut-être tu ne vas pas me suivre pour prendre photo. Donc, tu veux prendre photo, prends en même temps, photographe. Tu as déjà pris? C'est bon. Donc, je peux bouger comme je veux. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je veux célébrer Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu présents. Emmanuela. Amen. Non, ils ont déjà présenté tous les hommes de Dieu. Ton père t'a présenté, mais moi, je vais te présenter encore. Emmanuela. Amen. Je l'aime beaucoup. Cette jeune dame là, amen. Au départ, quand je la voyais, je pensais que c'était la prétendante. Tiens, c'est la queue même du père. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu mets la célibataire, non? Elle est célibataire bien. Non, je demande. On la montre ici. Il y a tous les hommes de Dieu ici. Joseph et Célie. Hein? Donc, on peut déposer le dossier, non? Emmanuela. Alléluia. Amen. Je veux célébrer Dieu pour la vie du serviteur de Dieu Yannick. Alléluia. Du bulldozer, le prophète Pléka. Alléluia. Je ne le connais pas bien, mais je le vois sur Facebook. Du prophète Ajala. C'est ça, non, pasteur Ajala Victor. Amen. Comme tout à l'heure, on l'a dit, l'homme de Dieu, le prophète Sam. Amen. Et il y a un homme de Dieu, on s'est vu une fois. Je passais dans le quartier et puis on s'est vu. Et puis on s'est juste dit bonjour, puis on est parti. Amen. Mais aujourd'hui, on se voit. Alléluia. C'est un homme d'Aboisseau. Lui, il est beaucoup vers là-bas. Là. Je veux qu'on célèbre Dieu pour la vie du prophète Atta. Alléluia. Donc, si je peux bien dire, nous sommes en famille. C'est la première édition de Monte ici et je suis content que nous soyons ici. Parce qu'il y a un homme qui nous a réunis. Au-delà de Dieu, il a passé par un homme pour nous réunir ici. Alléluia. Et je veux qu'on célèbre Dieu pour la vie du serviteur de Dieu, le berger Joseph. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
dehors de ce programme, il ne dormait pas. Il ne dort pas. Toujours monte ici, monte ici, monte ici. Bon, on est à monte ici. On est là. On peut monter. Alléluia. La puissance qui peut la contester, même le sorcier doit dire, ça c'est le bras de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester, même le marabout doit dire, ça c'est le bras de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le bras de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le bras de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire, ça c'est le bras de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le droit. Oh, nous la désirons et nous la désirons et nous la désirons et la désirons. Je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle me touche, elle me transforme, elle me change. Reçois la, oh oui, je la veux, 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 je la veux. En ce soir, nous sommes présents à monte ici et nous voulons encore monter, monter et monter. Pas pour que notre nom soit glorifié, pas pour notre personne, mais pour que toi seul ton nom soit élevé, pour que toi seul ton nom soit glorifié, pour que toi seul ton nom soit exalté. Nous célébrons ton nom éternel. Merci parce que tu fais toutes choses. Merci de nous assister. Célèbre ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Malabra de libros. Merci. Nous sommes à Mont ici. Un programme spécial. Un programme où Dieu veut faire descendre sa gloire. Un programme où Dieu veut montrer à une jeunesse qu'il est présent. Il n'est pas le Dieu des vieillards, mais il est le Dieu de la jeunesse. Je n'ai jamais vu Dieu, rare dans la Bible, où on verra Dieu utiliser des vieilles personnes. La plupart des histoires, il y a un commencement, un cheminement et une fin. Dieu commence avec toi jeune, mais il terminera avec toi vieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, comme le prophète Bleka l'a dit tout à l'heure, Dieu s'investit plus dans la jeunesse que dans la vieillesse. Écoutez-moi, si tu atteins un certain âge pour monter avec Dieu, tu risques de rater ta vie. J'ai dit, tout le monde veut aller au ciel. Mais n'oublie pas qu'au ciel, il y a Kokodi Gobelé. Au ciel, il y a Adjoufou. Au ciel, il y a quartier Zimbabwe. Au ciel, il y a un quartier à San Pedro. Je suis allé là-bas. Le quartier a le nom d'un Bado. Oui, Bado, il y a Bado qui a 16. Mais pas mal de ça. Il y a un quartier qui a le nom d'un pays. Colombie, oui. Est-ce que c'est Zimbabwe aussi, non? Ou bien Zambie, Zimbabwe. Alléluia. Oh. Il a dit ce quartier, c'est la précarité totale. Tu vis dans ce combat là-bas, c'est que tu as l'argent. Oui. Alléluia. Alléluia. Les gens disent, notre but c'est le ciel. Mais ton but doit être caractérisé par une sélection de la catégorie du ciel que tu veux vivre. Écoutez, tout le monde peut aller au ciel, mais tout le monde ne peut pas jouir des grâces du ciel. Oui. Je prie et je dis toujours à Dieu, Seigneur, permets-moi d'aller au ciel, mais je veux vivre dans des villas somptueuses et non dans le quartier précaire du ciel. Oui. La Bible même dit que il nous sera fait selon nos œuvres. Nos jugements seront faits à partir de nos œuvres. Montre-moi les œuvres que tu fais. Je te dirai qu'est-ce que tu auras. Alléluia. Alléluia. On va monter. Hein? On va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Rapidement. Je ne prêche pas. Je ne prêche pas. On va juste lire un passage et puis on va aller. Parce qu'aujourd'hui, la théologie dit, si tu montes à la chaire, que tu ne parles pas un peu, puis tu commences à travailler, c'est que toi, ton cas est suspect. Donc, on va faire plaisir un peu à la théologie. On va lire un peu la parole, parler juste un peu, et puis on va monter. Encore. Parce que le prophète Bécard nous a envoyé quelque part. On va continuer. Alléluia. Alléluia. Genèse, chapitre 28, le verset 12. C'est un seul verset, puis on va aller. On connaît tous ce verset. Hein? Genèse 28, le verset 12. On se tient debout pour la première lecture. Genèse 28, le verset 12. Je vais faire la lecture. La Bible nous dit, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Dis avec moi, une échelle était appuyée sur la terre. Je continue. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Alléluia. On a fini la parole de Dieu. Acclame Jésus et assieds-toi. Amen. La Bible nous parle de Jacob. Jacob qui était dans le désert. Jacob est en train de fuir certaines choses, certaines réalités de la vie. Et la Bible nous dit, pendant qu'il fuyait, il arrivait à un endroit.
Il dit, je vais essayer de poser ma tête pour me reposer un peu. Et quand il posait la tête, la Bible nous dit qu'il a posé la tête sur une pierre. Pourtant, dans l'Ancien Testament, quand on parle de pierre, on veut parler d'autel. Alléluia. Et quand on parle d'autel, c'est que cet autel a été bâti par tes prédécesseurs. La Bible nous dit que l'autel a été fait par Isaac. Mais écoutez-moi, je vais vous révéler une chose. L'autel a été bien appuyé par le père d'abord Abraham. Ensuite, Isaac aussi est venu appuyer cet autel. Raison pour laquelle quand Jacob a posé la tête, la Bible nous dit qu'il voyait les anges monter et descendre. Mais il n'a pas eu un songe, il a eu une vision. Joël 2, le verset 28. Comme le prophète Bléta l'a signifié tout à l'heure, les vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront des visions. Jacob, dans sa jeunesse, a vu la vision de l'autel sur lequel il a posé sa tête. Mais il y a une question que je me suis posée. Normalement, le ciel est en haut, n'est-ce pas? Donc, les anges doivent faire un mouvement du ciel vers la terre. Mais pourquoi le mouvement qu'on décrit ici, c'est un mouvement de la terre vers le ciel? Les anges vivent sous la terre ou bien? Alléluia. J'ai fini par me poser cette question et j'ai compris une chose. En réalité, quand un autel est bâti, les anges mandatés pour travailler sur l'autel ne sont plus au ciel. Mais ils travaillent là où est posé l'autel. Pour veiller sur les cages de l'autel. Pour veiller sur l'alliance qui est entre l'homme et l'autel. Ils deviennent des gardiens de l'autel. L'autel devient comme un sanctuaire. Où on vient pour adorer Dieu. Où on vient pour glorifier Dieu. L'autel devient le point de repère. Où on vient pour élever Dieu encore. Je peux te choquer. Je peux choquer. Je peux choquer. Pendant que Jacob est en train de voir cette vision. Et pendant que ce mouvement est en train d'être fait. Jacob est en train d'entrer dans l'alliance de ses pères. Jacob est en train d'entrer dans l'alliance de ses pères. On peut aller chez Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Ta postérité sera grande. Comme l'étendue du sable de la mer. Et Dieu a dit à Abraham, est-ce que tu as vu les étoiles? C'est comme ça que tu seras père d'une multitude. Mais ce qui m'a fait bizarre, Abraham a eu un seul enfant. Bon, deux. Sinon, un seul enfant. Un seul enfant par que Dieu lui a donné. Hein? Mais l'autre là, bon. Bon, lui, il est légitime. Bon, on peut dire. Donc, en quelque sorte, il a eu un seul enfant. Alléluia. Et lorsque Abraham eut cet enfant, lui aussi, il a eu des jumeaux. Esaü et Jacob. Mais où se trouve la multitude là? Dans deux. Alléluia. Emmanuel. Dans deux, où se trouve la multitude? Mais il y a un homme qui grandit. Son nom voulait dire menteur. Son nom veut dire calomnieur. Son nom veut dire escroc. Son nom veut dire sorcier. Trouve ce qui est mauvais, mais c'est la fin de son nom. C'est son nom. Parce que la Bible nous dit, son nom reflétait pas le mal. Non. Mais son nom reflétait tout ce qui n'est pas bon. Et par hasard, par malchance,
comme les hommes peuvent le dire, mais par chance pour lui, il a entendu son père qui parlait à Esaü. Alléluia. Et après cela, on a vu ce qui s'est passé. Cet homme donna 12 fils. Cet homme donna 12 fils. Et ces 12 fils formaient la nation d'Israël qui a été prophétisé par Dieu, ou bien que Dieu a fait promettre, juré à Abraham que je te ferai père d'une multitude. C'est à la troisième génération que la promesse prit forme. Vous savez, quand tu veux monter, Dieu te fait passer par des étapes. J'ai énuméré plusieurs étapes, mais à cause du temps, on va survoler un peu et puis on va partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait hôtel, quand l'hôtel est bâti, Dieu accompagne cet hôtel d'une promesse. La première des choses, c'est la promesse envers Dieu. Dieu dit, je te ferai, je te rendrai, je ferai ceci, je ferai cela. Mais Dieu te demande une seule chose, c'est le sacrifice. Dans Genèse chapitre 22, on ne va pas lire, mais on connaît cette histoire où Dieu se révèle à Abraham et il dit, ton unique enfant, donne-le-moi en sacrifice. L'unique, donne-le-moi. L'unique, donne-le-moi. Et chose bizarre, prophète, on peut monter. Hein? Ok. Chose bizarre, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Sûrement, Abraham lui a demandé, mais c'est où je vais le sacrifier? Et Dieu dit à Abraham, je te montrerai le lieu. Donc ça veut dire Abraham partait faire le sacrifice de son fils dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Emmanuel, je peux te poser une question? Hein? Je peux te poser une question? Si Dieu te dit là, tout de suite, lève-toi, commence à marcher sous la pluie. Je vais t'envoyer quelque part, mais commence à marcher, vas-y. Tu es sûr que tu vas aller? Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas seulement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, des gens se plaignent. Je ne peux pas suivre Dieu à l'aveugle. Seigneur, tant que tu ne me dis pas, je ne vais pas. Seigneur, tant que les hommes sont en train de poser des conditions à Dieu. Parce que Dieu veut t'envoyer. Il n'est pas obligé de te dire le parcours de ton voyage. Pour Dieu, ou bien pour toi, le plus important, c'est l'arrivée. Comment tu vas faire pour arriver? Ça ne t'intéresse plus. L'échelle est descendue. Les ciels touchaient la terre et le ciel. Mais Dieu n'était pas obligé de dire à Jacob, monte, pour qu'il sache que l'échelle, on doit monter. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Mais toi-même, ton intelligence doit t'emmener à le faire. Pour terminer, la chose la plus importante, au-delà de la promesse, c'est la discipline. Il faut être un disciple discipliné. Il y a des disciples tortueux, des disciples mal organisés,
des disciples comparables à Satan. Des disciples qui ne sont pas prêts à marcher dans les normes avec Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Tu veux adorer Dieu. Adore Dieu dans la discipline. Je ne viendrai pas te dire laisse ton péché. Ça tu le sais déjà. La Bible nous dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Alors que tous ceux qui l'adorent soient aussi saints. Je n'ai pas besoin de te dire ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce qui peut t'empêcher d'aller avec Dieu, mets cela à côté. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. La chose qu'il recherche chez ses enfants, c'est lorsque ceux-ci l'adorent avec un cœur discipliné. Oui. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Les gens aiment faire des bruits à l'église. Des bruits compliqués. Des bruits où quand ça joue, tu es obligé de mettre chiffon ou bien coton dans ton oreille. Parce que ça fatigue le tympan. Mais pourquoi ça? Parce qu'on est habitué à ça. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On dit Dieu là c'est le bruit. Pourtant Dieu, il a des saisons où il veut le bruit. Le bruit n'intervient pas dans l'adoration. Le bruit intervient dans les combats. Oui. Je peux te dire ça. Le bruit intervient dans les combats. Mais dans l'adoration, Dieu aime les silencieux. Je peux choquer des gens. Je l'ai dit à l'église une fois, ça les a mélangés. J'ai dit l'adoration, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ça peut t'aider, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui est écrit là. Homme de Dieu, tiens. Ça, c'est comme tout autre livre. C'est un livre. Un livre renferme les expériences de certaines personnes. Donc la Bible, c'est l'expérience de nos prédécesseurs, David, Moïse, Abraham. C'est les histoires qu'on raconte avec Dieu. Pourtant, l'adoration, ce n'est pas les histoires des autres que tu vas raconter dans ton adoration. Mais c'est ton expérience personnelle avec Dieu que tu racontes dans l'adoration. Parce que David a dit, mon meilleur conseiller, tu te lèves dans l'adoration, mon meilleur conseiller. Dieu t'a conseillé quand? Mon meilleur ami, Dieu t'a dit, il est ton ami. Il y a des gens qui font des abus de langage dans l'adoration. Pourtant, quand tu veux monter encore plus haut, et que Dieu te dit, adore-moi avec un cœur sincère. Ça veut dire que ton adoration ne met pas le mensonge. Ce que Dieu n'aime pas pour toi, il ne faut pas dire qu'il est ça. Tu ne crois pas au Dieu qui fait les miracles. Parce qu'aujourd'hui, dans la francophonie, on a limité les miracles de Dieu. Ça, là, seulement, Dieu ne peut pas faire ça. Ça, là, seulement, Dieu ne peut pas faire. Ah bon, hein? Et puis, dans l'adoration, le Dieu de miracles. Si j'étais un ange de Dieu, j'allais venir te donner des cocotas. Changeons notre manière d'adorer Dieu. Ayons une expérience avec le Dieu que nous adorons. Oui. Un jour, j'étais dans la maison. Je sentais dans mon cœur de parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. Écoutez, j'étais dans la maison, je me promenais et puis, Seigneur, tu sais, comme un homme qui est en train de parler à son ami, puis en train de tracer le projet, Seigneur, tu sais, voici ce que je veux faire, avril, voici ce que je veux faire, comment tu vois? Parce que j'ai envie de faire certaines choses et
pendant que j'étais en train de faire ce genre de choses, et tout d'un coup, une puissance est tombée sur moi. Je me suis mis à pleurer comme un enfant de 2 ans. Vous savez, mes fils me connaissent, je n'ai pas l'habitude de parler de mes expériences. Mais comme nous sommes à Monte ici, j'ai partagé un peu. Je me suis mis à pleurer. Et je pleurais fortement. Et pendant que je pleurais, des images passaient dans ma tête. Et je me voyais des années passées dans des positions délabrées. C'est-à-dire, je voyais un peu le passé dans lequel Dieu m'a enlevé. Il y a un seul mot qui est sorti de ma bouche. Seigneur, tu es merveilleux. Il est merveilleux, ce Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus. Ta vie pouvait dire, tu me fais sortir des griffes du lion. Parce que David a vécu ça. La Bible nous dit que David allait poursuivre le lion et puis déchirait sa queue. David a vécu ça. Donc il a raison de dire, Seigneur, tu es celui-là qui me délivre du lion. Quand David adorait Dieu, il savait de quoi il parlait. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire ceci. C'est un secret. Voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Parce que David adorait Dieu avec un cœur sincère. Il n'y avait pas de mensonge et avec ses propres expériences. La Bible nous enseigne. La Bible nous montre des choses. Mais je souhaite que tu vives des expériences avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on parle de l'intimité. L'homme de Dieu l'a dit, l'a détaillé clairement. L'intimité, c'est la plus grande force de l'adoration. Oui. Merci. Merci. J'ai invité l'un de mes frères le dimanche dernier à notre action de grâce ici au ministère Péniel. Et mon frère a dit, il a dit à mes enfants que cet homme-là, quand on dort, souvent je me réveille et puis je dis, prophète, et puis il répond oui. On dirait qu'il ne dort pas. Alléluia. Pas parce que je ne dors pas. Je suis un homme après tout, je dois dormir. Mais parce que tout simplement, même quand mon corps dort, mon esprit est éveillé. Je ne dors pas pour dormir, je dors pour faire reposer mon corps. Mais mon âme, mon esprit reste éveillé. Jérémie, mon corps se repose, mais mon esprit reste éveillé. Parce que c'est l'esprit qui nous aide à planifier le lendemain. Tu dors, tout ton esprit dort, tout dort. Matin, tu te réveilles. On dit ça comment? Crachat. Ton pasteur t'appelle. Est-ce que tu as prié? Papa, il était fatigué. On m'a attaqué la nuit, tout mon dos me fait mal. Pendant qu'il y a craché sur ta bouche, moi. Quand tu es un homme qui vit en haut, tu ne dors pas. Oui, on ne dort pas. Jérémie, on ne dort pas. Emmanuela, on ne dort pas. Rebecca, on ne dort pas. Les esprits ne dorment pas. Oui, le corps peut se reposer, mais l'esprit ne dort pas. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en esprit et dans le corps. Laisse ton corps tranquille et adore Dieu avec ton esprit. Ton esprit voit ce que ton corps n'arrive pas à voir. C'est
C'est la raison pour laquelle tout à l'heure le prophète Blecard pouvait voir dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas ses yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Et ces yeux-là ne se trouvent pas ici, elles se trouvent là. La Bible nous dit, autour de Dieu se trouvent sept yeux. Hey! Bon, j'ai pas envie de rentrer quelque part. Alléluia! 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 Et discipliné dans l'adoration, il faut être discipliné. On est parti avec les adorations de mets-toi en genoux pour adorer Dieu. Bouge-toi pour adorer Dieu. Mets tes pieds en l'air pour adorer Dieu. On ne s'assoit pas pour adorer Dieu. Hein? On ne fait pas quoi? On ne s'assoit pas pour adorer Dieu. Les gens ont mélangé les choses. Ils ont introduit le monde dans l'église. Dieu s'en fout de ta posture. Dieu, il s'en fout de ta posture. Tu es assis, ce n'est pas son problème. Tu es debout, ce n'est pas son problème. Tu es couché, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que ton cœur l'adore réellement. C'est tout. C'est la raison pour laquelle, arrivé un moment, moi, j'ai arrêté de dire, lève-toi pour adorer le Dieu que on prie. Lève-toi. Si tu sais que tu dois te lever, tu te lèves. Tu ne veux pas te lever, reste dans ta position. Moi-même, mes prières que je fais la nuit, tu ne vas jamais me voir lever comme ça pour dire, Satan sort, va ya 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 ya, oh ya 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 ya. Attends, je suis toujours couché sur mon lit et puis sur la. Quand tu rentres, tu penses que je dors. Je dors pas. Hein? Mon corps est couché, mais mon esprit ne dort pas. On est en train de faire les combats pas possibles. Ça va t'étonner le matin quand je me réveille, peut-être te dire, bon, voici ce que j'ai vu par rapport à ça. Essaye de prier et puis on va essayer d'avancer. Ça va t'étonner. C'est ça, merci homme de Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Il a dit tout à l'heure, quand tu sais, quand tu connais le Dieu que tu pries, ton cœur ne bat plus sur certaines choses. Tu es serré dans certaines situations. Ton cœur ne fléchit plus devant certaines situations de la vie. Oui. L'adoration ne te fait pas seulement monter, mais ton adoration aussi te permet de régner sur la terre. De régner, j'ai oublié ma Bible. De régner dans l'environnement où tu es. L'adoration te permet de le faire. Je parlais de l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit, va sur une montagne que je te montrerai. Abraham est parti avec son fils Isaac. Arrivé au lieu, il a dit à ses disciples, restez ici. Parce que la Bible nous dit que Abraham vit de loin le lieu que Dieu lui avait dit. Il a dit à ses gars, restez ici, j'irai avec mon fils. Il est parti avec son fils. Ils ont dressé l'autel. Son fils maintenant lui demande, Seigneur, où est le sacrifice? Et puis Abraham dit, c'est toi qui as le sacrifice. Il n'a pas discuté la montée. Et on connaît l'histoire. Mais il y a une chose qui me plaît. Quand tu continues à lire le verset, la Bible nous dit, à cause de ce que l'Éternel a fait, Abraham a donné à cette montagne le nom de Jéhovah et Jiré, le Dieu qui se pourvoit. Donc, il allait sur un lieu qui n'avait pas de nom. Mais lorsqu'il est rentré dans l'intimité de Dieu, il a donné un nom à la montagne. Pourtant, la montagne est le lieu, elle est l'endroit où on monte pour croiser Dieu. Quand Dieu veut se révéler à des gens, il ne te dira jamais, va dans la maison, il te dira toujours, va sur la montagne. Abraham est rentré dans une dimension où même là où Dieu descend, lui il a donné un nom que lui il veut. Il a imposé son règne. Ça veut dire que quand tu deviens fils de Dieu, Dieu te donne un certain avantage de donner des noms à certaines dimensions de ta vie.
C'est l'adoration qui te permet de faire ça. Parce que Abraham n'a pas discuté l'adoration. Il a obéi à l'adoration. L'adoration, ce n'est pas Jésus, tu es élevé. Non, ce n'est pas les. Parce que chez nous, l'adoration, c'est un rythme doux. Bien vite. Chez nous, l'adoration, c'est. Vas-y, doux. Quand il joue comme ça, on dit ça, c'est adoration. Et puis on commence maintenant à tout. Jésus, et puis on commence à mettre des chants. Amen, c'est bon. Reste là. Alléluia. C'est ça que l'adoration. Pourtant, pour Dieu, l'adoration fait fi des mélodies d'abord. C'est vrai que Dieu parlait des instruments de musique. Mais l'adoration pour Dieu, il fait fi de la mélodie. Il fait fi d'abord des instruments de musique. L'adoration pour Dieu, c'est un petit verset. Je te dis le verset. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'adoration. L'adoration, c'est obéir, pratiquer dans la discipline les vertus célestes. Tu adores Dieu et c'est toi qui as un gros cœur dehors. Ton adoration est faux. Tu adores Dieu et c'est toi qui ne pardonne pas. Ton adoration est faux. Mais quand tu adores Dieu et que ton cœur est sincère avec Dieu, même quand tu es un voleur, écoutez, pourquoi le voleur qui est à la proie, Dieu l'a permis de rentrer dans le royaume? C'est un voleur. Il est en train d'être puni. Mais pourquoi Dieu a permis qu'il rentre? Parce qu'au moment précis où il parlait à Christ, il a senti en ce voleur la sincérité de son cœur. Il dit, toi, à partir de cet instant, tu es déjà avec mon frère de mon père. Et l'autre représente maintenant les regards des hommes. Ya, toi aussi t'es à l'église. Toi, voleur là, tu t'en vas à l'église. C'est pas pour le rien, Dieu est capable d'envoyer des corbeaux dans ta vie pour voler, pour prendre tes bénédictions et puis aller les donner à d'autres personnes. Oui. Demandez à Saül, il va vous parler. Dieu lui-même a téléguidé l'esprit vers lui. Et ce genre d'esprit, on les appelle les esprits neutres. Ça veut dire les esprits qui n'ont pas signé d'allégeance à Satan, ni d'allégeance à Dieu. Ils sont sur la terre, ils sont de se promener simplement. Et c'est ce genre d'esprit-là que Dieu souvent t'envoie dans la vie de quelqu'un pour semer un trou. Et la Bible nous dit que David était obligé de jouer sa lutte, sa harpe plutôt, c'est ça, la harpe, pour que le démon puisse s'apaiser. Oui, Dieu donne la maladie et puis lui met là le remède. C'est Dieu. C'est la raison pour laquelle Job pouvait dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc l'adoration, la première des choses, c'est l'obéissance. Et la deuxième des choses, c'est de voir pour témoigner ce que Dieu fait dans ta vie. En un mot, c'est le témoignage de ta vie que tu dis à Dieu. Mais pendant que ça te parlait, mon esprit est en train de voler. Je me trouve aux États-Unis. Et je suis en train de voir quelqu'un qui prépare un voyage pour les États-Unis. Ou du moins, on prépare quelque chose dans le secret pour lui. Ou il est en train de préparer quelque chose. Mais ça a un lien avec les États-Unis. Mon esprit est là à chercher la personne. Alléluia. Je me demande
comment je pourrais mener à bien cette responsabilité? Il m'arrive de me sentir incapable. Il m'arrive de me sentir limité. Mais si tu me vois, papa, je te promets toute la gloire. Si tu me vois, papa, je te promets toute la gloire. Prophète, je disais que je voyais quelqu'un aller aux États-Unis. Mon esprit l'a tapé. Tu m'as tapé tous les jours. Je sais que tu vas aller à vous. Amen. Je vais y arriver là d'abord. On va parler de quelque chose. Venez à bien cette responsabilité. On est entre les hommes de Dieu. Quel homme de Dieu qui est en train de préparer un programme pour le mois de juin? Pour le mois de juin, tu as à cœur de faire quelque chose pour le mois de juin. Hein? C'est qui? C'est vous? Jouez. J'ai vu juin. Juin, c'est toi. Parce qu'en juin, je te voyais. Jouez aussi, c'est vous. Jouez, c'est vous. Donc, ton jumeau fait juin, et puis toi tu récupères un jouet. Alléluia. Je saute, et ok, c'était le signe que j'ai demandé à Dieu. Par rapport à la personne que je parlais pour les États-Unis. Surtout, homme de Dieu. Vous connaissez quelqu'un aux États-Unis? Ok. Parce que je vois un contact qui est établi depuis les États-Unis. Et il y a un trône qui est en train d'être fait pour vous permettre de monter aussi. Hein? Vous avez déjà le passeport, non? En préparation. Ok. Parce que je vous voyais déjà monter vers les États-Unis. Vous n'allez pas terminer, s'il vous plaît. Ne me faites pas mal prophétiser. Jouez ma mélodie. S'il vous plaît. Junior. Prophète, j'ai tenté de faire les baptêmes magiques que je m'a dit. Alléluia. Je voyais quelqu'un aller aux États-Unis. Je voyais un État. Je voyais l'État d'Atlanta. Et je voyais aussi la Californie. Je te vois en train de partir dans l'un de ces États, aux États-Unis. Et Dieu va te faire asseoir dans un endroit. Mais au-delà de ça, je te vois en contact avec une jeune sœur. Hein? Je te vois en contact avec une jeune sœur. En attendant ton nom, tu es du côté anglophone, c'est ça, non? En attendant ton nom, c'est pas révélation.